You can take your seats. Thank you very much. We'd love to start on time at 11:30. Yes. Bonsoir, s'il vous plaît. Merci de prendre place rapidement. Nous allons débuter en direct dans quelques instants. Thank you very much for taking your seats as quickly as possible. Thank you. C'est un énorme plaisir de pouvoir revenir ici, jouer après ce que j'ai fait l'année passée, avec une finale aussi belle contre Novak et autant de supporters, une ambiance incroyable. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. I felt something that I never felt before.
I was standing there for such a long time and absorbing this great positive energy that I got from people and Parisian fans. This trophy is special because I don't get to hold it up a lot. I've played here a ton and I've only held it up twice before, so I'm excited to make it to three times. Non, je suis très heureux d'être à Roland-Garros, c'est fabuleux, c'est le plus grand tournoi du monde pour un joueur français, c'est exceptionnel. Voilà, ça fait partie du patrimoine du sport en France. Jouer Roland-Garros, pour moi, c'est un rêve et de pouvoir maintenant y participer, de fouler les terrains, le Philippe Châtrier, le Suzanne Lenglen, voilà, ça me procure beaucoup d'émotions. Je suis très heureuse à l'idée de revenir à Roland-Garros et jouer devant ce magnifique public et j'ai hâte que le tournoi commence. Mon objectif, c'est d'un jour soulever un trophée comme celui-là. Et par ça, ça commence par faire deux belles semaines de tennis et prendre les matchs les uns après les autres. Et voilà, et peut-être qu'un jour, grâce à ça, là, j'arriverai à soulever un trophée comme celui-là. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents au Club des Loges à Roland-Garros, à Paris, ici à l'occasion du tirage au sort des internationaux de France 2016. Welcome, it's a great honor to welcome you here at the Club des Loges at Roland-Garros at Paris for this main draw of Roland-Garros 2016. Tout de suite, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir celui qui va vous souhaiter la bienvenue et va vous dire quelques mots, le président de la Fédération française de tennis, Monsieur Jean Gachassin. Merci. Merci Marc. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à Roland-Garros. Ben, je suis très heureux de vous accueillir ici au club des Loges. Nous allons procéder au tirage au sort de cette édition 2016. Au fil des éditions, cela reste invariablement un moment que l'on attend avec beaucoup d'impatience. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux que de nombreux téléspectateurs, par le biais d'Eurosport et de France Télévisions, puissent également vivre ce moment en direct avec nous. Traducteur. Welcome to all of you. Welcome to Roland Garros. It's a great honor to welcome you here at the Club des Loges. And every year, it's always an honor to. We are waiting for this with a lot of impatience. And we would love to welcome all the viewers through Eurosport and France Télévisions who will follow this in live. Le fait d'être ici au Club des Loges après des années passées au musée est là pour nous rappeler que notre stade est en pleine évolution. Le nouveau Roland-Garros, projet vital pour l'avenir de notre tournoi, avance et je m'en réjouis. Nous avons beaucoup œuvré pour imaginer le stade de demain, ici à la Porte d'Auteuil, pour en faire un stade respectueux de son environnement, également respectueux de tous. J'ai pas terminé, s'il te plaît. Hein, c'est moi le président. Hein. Oui, tout à fait, président. Et j'ai hâte de voir ce projet auquel nous croyons et pour lequel nous sommes tant battus. The fact that we are in Club des Loges after a few years being in a museum show you that Roland-Garros is always evolving. The new Roland-Garros, the project, it's a vital project for us. We'll be seeing in a few years will be rebuilt. We've been thinking of that project, Porte d'Auteuil, in the respect of the environment, of the respect of everybody, everyone. And we're looking forward for this new project. Avant tout, je tiens à saluer la présence de deux champions exceptionnels qui vont nous faire l'amitié d'effectuer ce tirage. Et je dois dire que nous avons une chance incroyable, car cette année olympique, et alors que Paris rêve de décrocher les Jeux Olympiques 2024, Marie-Jo Pérec, la belle Marie-Jo Pérec, et Tony Estanguet nous font l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Before to start, I would love to welcome two great champions who accept to do the main draw this year. We have an incredible chance to have them here together with us. Great champions, and Paris is dreaming of welcoming the Olympic Games in 2024.
Marie-José Pérec and Tony Estanguet are here, and it's an honor to welcome them. Tu as oublié de dire la belle Marie-José. The pretty Marie-José Pérec. Thank you. This is what he said. Merci, merci, merci infiniment d'être parmi vous. C'est vrai que vous totalisez 6 titres olympiques à vous deux. C'est exceptionnel. Et pourtant, vous êtes lancé dans un nouveau défi de taille important pour la France, en vous impliquant à fond dans la grande aventure Paris 2024. Tony est même le co-président du comité de candidature avec mon ami Bernard Lapassé. Thank you deeply for being here among us. Together, you have 6 Olympic titles, and you want to go for a new project, also welcoming Paris in 2024 Olympic Games. Tony also is the co-president of the BID, together with Bernard Lapassé, my friend. Vous êtes donc ici, chez vous, puisque vous le savez tous, Roland Garros fait bien sûr partie de ce grand et magnifique projet. Nous sommes tous dans le même bateau et nous espérons tous le voir arriver à bon port. Et votre présence aujourd'hui est vraiment un symbole fort de cette volonté olympique commune. You are here in your home, in your house. Roland Garros is also part of this great project to welcome the Olympic Games in 2024. We're all in the same boat and we hope that we'll go in the right harbor. Your presence here today is a symbol of this will to welcome the Olympic Games. Avant de vous laisser procéder à ce tirage, je ne vais pas faire preuve d'une grande originalité pour évoquer ce tournoi. Je dirais simplement qu'une fois encore, cette quinzaine s'annonce passionnante. En effet, on peut déjà affirmer que, sans prendre trop de risques, que les places en deuxième semaine seront très chères. Et bien sûr, nos deux tenants du titre en font partie, mais les concurrents sont nombreux. Et on sait que sur la terre battue parisienne, la motivation de chacun est toujours son maximum. Before proceeding to the draw, I would say, like every year, this will be a great 2 weeks. We can just confirm, without taking any risk, that places will be deeply fighted for the second week in between the tennis players. But everybody has the chance, and we know that on the clay of Paris, the motivation of everyone is there. Cela vaut encore plus, bien sûr, pour nos joueuses et nos joueurs français. Évidemment, encore une fois, je serai derrière eux et beaucoup de motivation, je serai leur premier supporter. Et je garde vraiment l'espoir, pour mon dernier tournoi en tant que président, d'assister au sacre de l'un d'eux ou de l'une d'elles, ou l'une d'entre elles. Je pense d'ailleurs que vous tous serez nombreux ici à vous en réjouir également et commencer par Guy, notre nouveau directeur. Ce serait vraiment un formidable cadeau pour ton premier tournoi en tant que directeur, gagner qu'un Français gagne Roland Garros, une Française, ce serait merveilleux. And as the president of the French Federation, I will be behind the French tennis players, of course. Again, I would love, I would be the first supporters, the first fan of them, and deeply would love to have before for my last year as president to have a French winning here Roland Garros or in the female or in the male draw, and I'm sure you are very numerous also to wish this, starting by Guy Forget for his first tournament. This will be a great gift for you today. Enfin, nous verrons bien dans deux semaines, mais quoi qu'il arrive, je sais déjà que cette nouvelle édition ne nous décevra pas. Et qu'elle sera riche, comme toujours, avec beaucoup d'émotions, comme c'est le cas chaque année ici à Roland-Garros depuis 1928. Merci. And je termine. Oui. Merci à vous tous de votre attention et maintenant place au tirage et bon tournoi à vous tous et bonne quinzaine. And I'm sure this will be a great event again, like it is since 1928. Thank you very much. Enjoy the tournament. Merci, Président. Merci beaucoup. Nous allons débuter ce tirage au sort maintenant et je vais inviter à me rejoindre Rémi Azémar,
le juge arbitre adjoint, pour vous faire part des nouvelles avant ce tirage au sort. Rémi Azéma. Merci Marc. Merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs. Avant de procéder au tirage au sort des internationaux de France de Roland-Garros 2016, quelques mots pour vous informer des retraits qui nous sont parvenus donc ces derniers jours. Du côté du tableau féminin, un forfait a été enregistré depuis le début de l'épreuve des qualifications, à savoir la Danoise Caroline Wozniacki. Et du côté masculin, deux forfaits, Roger Federer et Gaël Monfils. Les deux tableaux sont composés de 128 joueuses et 128 joueurs, avec chez les dames donc 13 qualifiés et pour les messieurs 19 qualifiés. Le tirage au sort se déroulera de la façon suivante. Dans un premier temps, nous allons procéder au tirage au sort du tableau du simple dame. Les noms de têtes de série seront placés d'une manière électronique. Les têtes de série 1 et 2 seront placées respectivement sur les lignes 1 et 128 du tableau, puis c'est donc Tony Estanguet qui tirera au sort les 30 hautes têtes de série. La même procédure sera suivie pour le simple messieurs avec le concours de Marie-Josée Pérec. Voilà, nous allons commencer. We'd love to start with the main draw for the female tennis players. And just remind you that Caroline Wozniacki is not playing. And just to see the non-seeded players. On va commencer par les joueuses qui ne sont pas têtes de série. Je vais demander à Maître Proust sous son... conduite, eh bien, de lancer le tirage au sort des non-têtes de série, des non-seeded players. Thank you.
Voilà, nous avons donc la première partie du tableau. Maintenant, pour avoir les têtes de série et pour savoir qui va succéder à Serena Williams, eh bien, permettez-moi d'appeler un champion, un grand champion. Rémi vous en a parlé tout à l'heure. 3 fois champion olympique sur 4 Olympiades différentes. C'était en 2000, 2004 et 2012. Voici Tony Estanguet. Et au second... Three times Olympic champions in 2000, 2004, 2012 in canoe, kayak, downhill the river. Et aussi co-président de la candidature de Paris 2024, also bidding for the Paris 2024, is co-president. Tony, que représente Roland-Garros pour toi? Bonjour à tous. Ça représente beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir grandi avec Roland-Garros. Chaque année, c'est le même rituel qui se met en place. C'est cette magie entre l'excellence, la beauté. Je crois que ça représente beaucoup de choses pour le sport français. C'est clairement une vitrine pour nous. Voilà, on compte énormément sur Roland-Garros. On attend Roland-Garros avec impatience. De voir ce grand tournoi au cœur de Paris, c'est juste magique. Le sport au cœur de Paris, c'est fantastique. Ça donne des idées aussi, effectivement, pour organiser un tournoi olympique inoubliable ici à Roland-Garros en 2024. Donc voilà, on est très heureux d'être là. Merci pour votre invitation, c'est juste magique. Et on souhaite bien évidemment à toutes et à tous une excellente quinzaine. Every year it's a great moment, it's always magic to be here. And every year is something special for us, for the world, to welcome the world of tennis in Paris. Best, one of the best places in the world to organize this tournament. And this gives us a lot of idea to welcome the Olympic Games in 2024. Merci Tony. Je vais demander à Rémi de me rejoindre sous le regard bien sûr de Stéphane Franson qui est le juge arbitre également et qui va nous aider donc pour les têtes de série. Je vais conduire bien sûr de Maître Proust. Je vous laisse conduire tout ça Rémi. Merci. Et en haut du tableau du féminin, Serena Williams. Et en bas, Agnieszka Radwańska. Donc entre les têtes de série 3 et 4. Merci. Tête de série numéro 3. Angélique Kerber. S'il vous plaît. Et donc, tête de série numéro 4. Garbine Muguruza. Série de jetons de 5 à 8. Numéro 5. Victoria Azarenka. Jeton numéro 8. Timea Bajinski. Numéro 7. Roberta Vinci. Et donc tête de série numéro 6. Simona Halep. Série, tête de série 9 à 12. Numéro 12. Carla Suarez Navarro. Numéro 9. Venus. Merci. Williams. Jeton numéro 10. Petra Kvitova. Et donc, jeton numéro 11. Lucy Safajova. Dernier lot de 4 têtes de série, de 13 à 16. Numéro 14. Anna Ivanovic. Numéro 15. Madison Keys. Jeton numéro 13. Svetlana Kuznetsova. Merci. Et donc jeton numéro 16. Sara Errani. Prochaine série, donc...
tête de série de 17 à 24. Numéro 18. Elina Svitolina. 22. Dominika Sibulkova. Jeton numéro 20. Johanna Konta. Yelena Jankovic. Tête de série 17. Karolina Pliskova. Merci. Numéro 24. Anastasia Pavlyuchenkova. 21. Samantha Stoser. Numéro 19. Sloane Stephens. Dernier lot. 25 à 32. Voilà. Merci. Numéro 26. Kristina Mladenovic. Numéro 28. Andrea Petkovic. Non, tu n'as rien fait, c'est naturel. Numéro 29. Daria Kazatkina. Merci. Numéro 31. Monica Niculescu. Numéro 25. Irina Camelia Begu. Merci. 27. Et Katrina Makarova. Merci. 32. Yelena Ostapenko. Et donc, merci. Tête de série numéro 30. C'est Barbara Stritsova. Merci. Voilà. Nous avons tout le tirage. Merci Tony, on va l'applaudir très très fort. Tony Estanguet, pendant que l'on vérifie, Stéphane Franson et Maître Pousse vont vérifier donc ce premier tirage, le tableau féminin. Thank you.
Merci. Nous allons maintenant procéder au tirage au sort du tableau masculin. This is the main main draw for the males, and we have the non-seeded players. Comme tout à l'heure, les joueurs qui ne sont pas tête de série vont être affichés sur l'écran. Regardez. Voilà. Et la Coupe des Mousquetaires qui sera donnée au vainqueur de ces Internationaux de France 2016 a remplacé la Coupe Suzanne Lenglen et pour donc tirer au sort les têtes de série masculines. Je vais les appeler d'une des plus grandes athlètes du monde qui est triple championne olympique. Elle avait été en 92 sur 400 mètres et sur 200 et 400 mètres en 1996. Voici Marie-Josée Pérec. Also ambassadors from
Paris 2024. Marie-Josée, bonjour. Qu'est-ce que représente Roland-Garros pour toi? Est-ce que tu as un souvenir lié à Roland-Garros? Bah déjà, bonjour à tous. Alors moi, écoutez, je suis ravie d'être là. D'ailleurs, je me souviens qu'en 92, je suis déjà venue ici pour, en tout cas pour... effectuer le tirage. Pour effectuer le tirage au sort. Et j'ai une petite anecdote, puisque bon, c'était quelques mois avant les Jeux. Et donc, j'étais venue à moto. Je vous dis pas, lorsque mon coach l'a su, j'ai failli prendre une fessée. Mais vraiment, c'était un moment incroyable. Et voilà, j'ai adoré. C'est vraiment pour moi, c'est... Enfin voilà, c'est vraiment la compétition qui me où on a envie de venir, où il se passe quelque chose, on est derrière les Français et voilà, je suis ravie. Et ça t'avait porté chance parce que t'as obtenu ta première médaille ensuite de ça aux Jeux de Barcelone. Merci en tout cas d'être avec nous, Marie-Jo. J'ai demandé à Rémi Azemar de venir. Just to translate, summarize, Marie-Josée Pérec had a great souvenir from 1992. She came for the main draw here. She helped them, but she had to come from the training session in motorbike. And her coach was so pissed that she almost got kicked. Well, she, in fact, after this, she went to Barcelona and got her first gold medal. So this was luck. Ça a été un plaisir. Alors, on va poser le micro, Marie-Jo, et puis pour effectuer donc ce tirage au sort sous la conduite de Rémi. Merci. Et pour la simple mesure, en haut du tableau, Novak Djokovic. Et en bas du tableau, Andy Murray. Entre les têtes de série 3 et 4. Tête de série numéro 4. Rafael Nadal. Donc, tête de série numéro 3. Stan Wawrinka. Entre les têtes de série 5, 6, 7 et 8. Jeton numéro 7, merci. Thomas Berdych. Merci. Numéro 6. Joe Wilfried Tsonga. Numéro 8. Miloš Raonic. Et donc, tête de série numéro 5. Merci. Kei Nishikori. Les têtes de série de 9, 10, 11, 12. Merci. Jeton numéro 11. David Ferrer. Numéro 12. David Goffin. Numéro 10. Marin Cilic. Et donc, merci. Numéro 9. Richard Gasquet. Dernier lot à 4 têtes de série, 13 à 16. Numéro 14. Roberto Bautista Agut. Numéro 13. Dominic Thiem. Tête de série numéro 16. Gilles Simon. Merci. Donc tête de série numéro 15. John Isner.
Donc, lot de 17 à 24. Pour démarrer, tête de série numéro 20. Bernard Tomic. Feliciano Lopez. 18. Kevin Anderson. Philippe Kohlschreiber. Merci. Numéro 23. Jack Sock. 22. Victor Troitsky. 7 de série 17. Nick Kyrgios. Et donc, tête de série numéro 19. Benoît Paire. Dernier lot, 25 à 32. Numéro 31. Federico Delbonis. Tête de série 25. Pablo Cuevas. Fabio Fognini. Numéro 26. João Zosa. Jeton 29. Lucas Pouille. Numéro 30. Jérémy Charly. Encore deux. Merci. Numéro 28. Alexandre Dolgopolov. Donc, il y a encore un jeton. S'il vous plaît. Encore le dernier. Oui. Qui est donc le... Merci. Le 27. C'est Ivo Karlovic. Merci beaucoup. Voilà. Merci Marie-Jo. Merci beaucoup. Marie-Jo Zéperec, donc avec nous. Un vrai bonheur et un vrai plaisir, comme l'a dit le président tout à l'heure. Always an honor to welcome the champions. Monsieur Franson, je vais vous laisser vérifier donc la véracité de ce tableau. We have to verify in the end and then to confirm to you. On va vous confirmer cela dans quelques petits instants. On continue avec le Marc Penam Trio. Thank you.
Voilà, c'est confirmé, donc les deux tableaux sont confirmés. Qui succédera à Serena Williams le 4 juin, vous le saurez à la finale, et bien entendu, qui succédera à Stan Wawrinka, ce sera le 5 juin prochain. Merci d'avoir été avec nous, passez un excellent tournoi, excellente quinzaine. Have a wonderful 2 weeks in Roland-Garros. Bye bye. Voilà, si se termine ce tirage au sort, vous êtes invité à un pot apéritif dans quelques instants dans la salle d'à côté. You have an aperitif will be served for you. Et puis, ceux qui désirent avoir quelques impressions des champions qui sont là, vous pouvez demander à l'attaché de presse. And I remind you...